Rebonjour YouTube, nous revoilà sur Arc Age Beta. Donc nous avons terminé la vidéo sur la validation d'une quête auprès d'un fantôme. Et là je dois utiliser un petit objet pour ramener un fantôme dans l'au-delà, je pense. Donc il y a plein de fantômes, nous allons en choper un. De toute façon, voilà, ils sont là. Allez, balançons la sauce. Non, l'enfoiré, il me l'a piqué. Ou alors il faut vraiment l'utiliser comme ça, on va à côté, on fait tac. Ah oui, 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 effectivement. Et là on le bute sa race. Est-ce que c'était ça? Le gros bourrin. Entre des régions, entre en état de guerre. Donc ah oui, oui, il y a pas mal de guerre. Comment on fait? Capturer le drapeau pour arroger ce droit. Il y a un drapeau à capturer par ici? Monnaie, porte-monnaie. Bon bah en ce moment on a que des porte-monnaies. On va retourner voir notre monsieur fantôme près du monolithe. Notre petit ami du monolithe. Tididilalu. Non, pas toi. Oula, c'est quoi ce portail? Bon, en tout cas il nous donne tout. Ah, le portail a disparu. Bon. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la life, la vida loca. Quelqu'un qui passe un niveau. Et nous, bah du coup, on va continuer notre petite quête, hein, à la forêt de brume cérule. Alors, prenons une potion de célérité, enfin le filtre. Allez, bouffe. Allez, avec le petit sprint. Une petite hache. Homme de main. Oh non, mais pourquoi ils me les piquent tous? Allez, balance-lui ta flèche. J'ai bien hâte d'essayer les éclairs quand même. C'est bien sympa de pouvoir avoir plusieurs spécialités. Et ça repop assez vite. Bon, voyons le panneau. Ça doit être pour buter du monde à mon avis. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut buter? Des gardiens de Molonite violents. Et bah les voilà. Le monolithologue Miles. Allez, Jenny encore? Amélioration de talent. Élévation au rang 2. Ah, ça c'est cool. Prenez une empreinte au monolithe ouest. Bon, éliminons des gardiens. Là-bas, il y en a un. Allons-y, vite, avant qu'on se fasse tout piquer. Allez, balançons notre sort qui nous renverra sûrement dans la gueule. Voilà. C'est bien dévastateur ce petit truc de combo, j'aime bien. Alors, 1. Allez, balançons la sauce. Je croyais que je vais aller partir, mais non! Mais non! Et de 2. Ils sont quand même bien faits, hein. Y'a rien à dire. J'ai pas un PC fou furieux, mais ça fait pas mal aux yeux déjà. Emprise terrestre, effectivement, on voit du coup bien la vie là-haut. Avec la vie à côté, ça c'est bien sympa de pouvoir voir un peu tout, parce que... Alors, allons là-bas. Monolithologue Jones. Ah bon, nous avons Demon Smiles là-haut, d'Assassin's Creed qui... Pille les mausolées assassins et templiers. Nous avons ici Monolithologue Jones, donc Indiana. Peut-être des références, qui sait? Ah, il doit avoir une cinématique. Non? Ah si, regardons la cinématique. Une piqûre de Luciole. Avait-on dit à propos de la marque de naissance sur votre bras d'enfant? On est l'élu. Mais cette marque s'embrasait parfois, produisant ainsi une lumière plutôt inquiétante. Sa forme étrangement parfaite luisait sur votre peau comme une torche. S'il existait d'autres porteurs de cette marque, vous n'en aviez ni rencontré, ni entendu parler. Votre terre natale était pleine de légendes.
comme l'expédition du Cénacle et ses 12 aventuriers découvreurs du berceau du monde. L'exode d'Auroria, le continent du Nord, la colonie de ce qui devint Nuya. Mais aucune légende ne faisait mention d'individus avec une marque dorée quasi runique sur le bras. Vous arboriez une parfaite anomalie. Ouais, je sais, je suis pas normal. Bon. Du coup, elle te file quoi? Oh, t'es tout bleu. Ah, ça fait un peu Braveheart. Alors, utilisez les mangroves près de Marianne. Eh bah, utilisons. Ah ouais, ça nous fait le petit signe qu'on a, du coup, sur le bras. Un artefact est apparu dans la base de chaque faction. Oh bah c'est de l'XP facile et encore une petite vidéo. Bon. Les muscles tremblèrent quand Marianne provoqua l'embrasement de la marque dorée sur votre bras. Des souvenirs aveuglants vous donnèrent le vertige. A priori vos souvenirs. Pourtant, d'où sortaient ces deux grandes cités nuyennes? C'était comme si vous regardiez à travers les yeux d'un autre individu. Alors que cette personne achetait du poisson au marché, un miroir à proximité en donna le reflet. Une jeune femme, aux cheveux châtains, à la peau blanche et aux traits fins de noble. Le souvenir disparut aussi vite qu'il était apparu. Vous chanceliez. Marianne avait-elle délibérément provoqué cette vision? Elle n'en montra assurément aucun signe. Faux cul, va. Vous aviez entendu dire qu'en mourant, suite à la destruction d'Auroria, les membres de l'expédition du Cénacle avaient légué leurs souvenirs aux survivants de leur race. Le temps avait affaibli ces souvenirs, mais les plus talentueux pouvaient les réinvoquer. Les habitants d'Auroria, étant passés par l'au-delà lors de leur exode vers des terres plus sûres, l'on raconte que les souvenirs de la déesse Nui pouvaient être particulièrement intenses avant que son périple n'en fasse la déesse Nui. Elle était une noble au cœur charitable du nom d'Eanna. Votre marque dorée s'embrasa. Un autre souvenir. Un charmant vagabond à capuche apparut, affamé. Donc on doit trouver le petit vagabond à tous les coups. Est-ce qu'il va encore avoir une vidéo ou c'est bon? Examinez le corps. Ah, bon, repartons à l'aventure. Une petite popo? Oh, j'ai envie de le buter. Oh oh, je crois qu'il s'est énervé là. Donc, ils aggro. Porte-monnaie du fermier. Et ben encore. Hein. 112 d'XP, la barre est à moitié. 50% 57. Alors, nous avons des marques à récupérer sur ce monolithe. Cadavre de la main rouge. La main rouge. Alors, monolithe, prise de l'empreinte, tac. Ah, sympa, petite animation. Oh, les experts, Manhattan. Ah oui, carrément. Ah, c'est mieux que les experts même, j'ai envie de dire. Parce que derrière, il n'y a plus un trait de peinture, et c'est déjà sec. Les technologies. Alors, examinons les corps. Qu'est-ce que t'en sais? Les fillettes, ça fait vraiment flipper de temps en temps. Hein. Ça fait vraiment flipper. Encore une vidéo. Bon, je pense par contre que je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aimer, liker, faites ce que vous voulez. Donnez-moi vos commentaires pour savoir ce qui a amélioré, si vous voulez que je fasse quelque chose sur un autre jeu. Je vais peut-être en refaire une, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, merci si vous avez regardé cette vidéo. Allez, salut.